السلام عليكم يا بنات، وسونا شان دي زيبو بنتين جيمين كم دابت يتسي لو كانت قد توصل ميتال جا 5 فوق البين. Et on est parti se faire une petite mission secondaire après une... s'être perdu de tous les. On a été partout et nulle part en même temps lors d'une tentative de mission. On a essayé désespérément de rejoindre cette zone en partant d'ici à peu près, puisque j'étais dans le coin par rapport à notre mission. Du coup, j'ai fini par appeler un hélico et va nous faire atterrir à proximité. Ça sera mieux comme ça. On va arriver pas trop loin. C'est la dernière mission secondaire qui me reste à faire. Après, c'est que des entraînements sur la plateforme de Mother Base. On ira sûrement, je vais sûrement les faire après, comme ça. Ça sera fait. Et ensuite, on continuera les missions principales. On y est pour la. Enfin, il fait de nuit, je sais pas si c'est la. Si c'est pas de nuit. C'est la conférence pour le début ou la fin, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a pas l'heure d'indiquer. Donc c'est pas ici, hein. Ça c'est juste un petit checkpoint qui est entre temps en route quoi. Analysis complete. Extraction arrived at mother base. Enemy presence detected. The map has been updated. Enemy presence detected. The map has been updated. Il est pas tout seul quand même. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete.
voulu me le faire, mais je savais pas si on allait me voir ou pas, donc j'ai hésité. On va revenir ici, observer encore un peu. Les deux dorment. Tombe bien ça. Talk. The map has been updated. The map has been updated. On va essayer de les réveiller et les questionner. Les autres, on va dire, je vais cacher lui en cas où il y aura quelqu'un qui passe. Normalement, là, il ne brille pas.
Ils sont même pas là. When you want to begin a mission, open your iDroid and select it from the mission list. I sent a list of selectable missions to your iDroid. They're all jobs that only you. Voilà, comme ça. Sinon, ça marque pas ça. Ça doit avoir des points en plus. C'est pas tout ce que je voulais faire. Enemy presence detected. The map has been updated. Bon, je pense qu'on a fait notre job et qu'on a tout pris. On va pouvoir se barrer. Et aller à l'objectif. Qui est juste là-bas. En face de nous. On a pris le bon chemin.
Extraction arrived at mother base. Je suis pas sûr de moi, mais bon, je vais tenter. Ça m'embêtait de faire le demi-tour pour passer par en bas. Enemy presence detected. The map has been updated. On y approche. On approche de l'objectif. Bon, on va mettre le chemin. On va essayer de passer par. Enemy presence detected. The map has been updated. Ok, bon, on connaît ici. Ah, pareil, la capture avait foiré, je sais même pas si elle marche actuellement. Là, il y a du monde. Analysis complete. 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 Caution. Sandstorm analysis complete. Analysis complete. Tempête de sable en approche. Ça, c'est pas mal. On va se marquer le véhicule.
Snake. Qu'est-ce que tu fous? Bon, on est grillé. Ben oui. Quand ça part comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Qu'est-ce que je fais là? Analysis complete. Analysis complete. On va attendre qu'il passe. La tempête devrait pas tarder à se lever. Elle devrait pas nous voir ici. C'est même pas eux. Donc on va essayer de passer quand même. Ça va parler, lui le dos, ça va. Pas tenté, hein. On peut risquer. Mais... ça va, on s'en sort bien. Pour l'instant, en tout cas. Par rapport à tout à l'heure. Tempête de sable, on approche. Pas pour nous déplaire. Ouais, ça va pour l'instant. Les meilleurs du monde vu. The portable toilet. If you're gonna hide inside, watch the enemy doesn't decide to use it. Same goes for hiding downed enemies in it. Oups. Clouds approaching.
faire du tout. Allez, tente-toi là. Analysis complete. Ничего нет. Слушай, знаешь этого американца, у которого какая-то механическая руда приделана? Да. Это разработчик оружия. Сейчас он занимается роботом. Вот они. Не таким, как марсоходы. Эти намного быстрее человека несли. А, ты хорош заливать. Я дам знать, если еще раз их увижу. До встречи. Увидимся. Analysis complete. Limit.
sais pas du tout ce que je vais faire, je vais pas me lever. Comme vous en doutez, hein. Pas trop intérêt à montrer ma tronche. Il est dos, donc retourne-toi pas, s'il te plaît. Et je peux le feinter avec ça. En tout cas, temporairement. Faut qu'il se tourne. En attendant, on va quand même se mettre comme ça. On est quand même un peu moins visible, voilà. Ah, mais lui, il est face à nous, maintenant. Marche arrière. Là que je m'embrouille dans les commandes. Ah, il est bien. Si lui se retourne, on est foutu. Ça, c'est clair. Donc je me prépare à le viser au cas où. Lui, ça devrait être bon. Au moins une fois qu'il va revenir à son poste, on aura quelques secondes pour passer. Ça fait une petite diversion parfois. Involontaire, mais qui peut... Regarde, on a perdu un peu de temps. Et puis lui, il est face à nous. Si je passe, il va nous voir. Il est de dos. Alors attendez, je sais pas si il est de face ou il est de dos. Il est de face. Donc on va attendre. Super long pour s'infiltrer, hein. Et après faut sortir, hein. Donc à mon avis ça va encore foirer sur la fin. C'est dur, on arrive à s'infiltrer sans faire de bruit. Allez, tourne-toi là. Regarde ailleurs là, vu qu'à 24 mètres faut qu'il regarde, faut absolument qu'il regarde ailleurs. Sinon on pourra pas passer. Lui a la vision nocturne, c'est pour ça qu'il nous voit de loin. Contrairement à lui, bizarrement, hein, qui est pourtant le gay. Ben, le guetteur. Bon, allez. Autant regarde ailleurs. Là. Moi, je ne peux pas acheter de cailloux. Un truc tout simple. Je crois qu'on pourra pas passer par ici. Je me décale davantage sur la gauche. Pendant que lui, il a le dos tourné. Ah, c'est qu'il bouge lui, hein. On a la chance, il regarde pas derrière en fait. Donc dès qu'il lui, il regarde. Ah, il s'est barré. Donc regarde sur la gauche s'il te plaît, comme tout à l'heure. Lui, on va aller l'interroger. Oh, quoi que c'est risqué. Il est en hauteur, le temps qu'on descende et tout, on va se faire voir à 15 km, le temps qu'on monte surtout. Ah, pas tarder là, il ne voit plus. Levé du jour, le soleil vient de se lever et nous on est toujours en train de galérer. Pendant qu'on est là, hein.
Et les diamants. Hey. Pas de cassette. Et un poster. Il y a tellement de trucs qui me sont passés sous le nez que là, je peux prendre tout ce que je peux prendre pour qu'on est un peu tranquille ici. Un peu, hein, j'ai bien dit. On n'est jamais vraiment tranquille dans ce jeu-là. Enfin, ça dépend où on est, bien sûr. Bon, nous sommes normalement face aux grottes là. On peut y aller. Normalement, la créature, enfin le loup qu'on doit récupérer là, le chien, je pense qu'il est là-dedans. J'en suis pas totalement sûr, mais. Ça me paraît logique vu que c'est quand même un endroit. Tout ce monde met ici, hein, ils sont bien là pour protéger cette entrée. Elle et d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas qu'une façon de rentrer, mais on va rentrer par là. Celle qu'on a la plus proche. On va pas se prendre la tête, on s'est déjà assez pris la tête comme ça. Nous y voilà. Oui, ça c'est d'autres entrées disponibles. Uncharted. Cherche le diamant brut. Il y en a un paquet ici, hein. Enfin, au mètre carré, quoi, on va dire. Ça change. Là, il y en a vu deux côte à côte. Mauvaise idée. Donc c'est labyrinthique, hein. Ça, je me suis déjà perdu alors qu'on est qu'à l'entrée. Alors déjà je sais qu'on peut s'enfoncer davantage dans les mines par ici je crois. Ah non, c'est là d'où on... Ok. Ah, attendez, je me suis paumé. C'est à droite ici je crois. Non, c'est pour sortir. Pourvu qu'on ne soit pas grillé comme des guignols à chercher notre route. On l'a trouvé je crois. Je suis déjà venu ici chercher le Onibi je crois, ouais, le plan du Onibi qui permet de pouvoir crafter un lance-missile
à tête chercheuse. J'ai bizarre. Ça a pas été. Ils ont pas muré l'accès quand même. Il n'y a pas eu d'explosion. Il n'y a pas eu de cinématique qui nous l'a. Je ne sais pas qu'on les. Ouais, enfin, il n'y avait pas de. Je vais me tromper d'accès de porte d'entrée, on va dire. C'est la seule. Chose qui me paraît logique là, parce que. Qu'est-ce que je suis censé faire donc? Il est où le chat? Le loup à récupérer. Est-ce vraiment quelqu'un? Est-ce vraiment un loup? Je pense que c'est un loup parce que maman doit récupérer une chèvre, une brebis égarée, et c'est vraiment une brebis donc. Ça va pas me faire griller maintenant, là on a fait le plus dur. J'aurais dû interroger un garde, puis j'ai eu au moins 2-3 occasions de le faire. Un peu de sable qui approche, d'accord. Et là ça va pas trop nous servir à grand chose. Mais... je suis paumé. Merde, il faut sauter. Je suis paumé là. Il y avait un truc pour escalader. C'est cool, mais. Je crois que nous y sommes. Je sais pas trop comment j'ai su me débrouiller l'autre fois pour rentrer, mais ça me paraissait beaucoup plus simple. Pour moi, c'était un couloir et hop, c'est bon, on était rendu. Là, je me suis paumé et à vrai dire, je sais même pas comment ressortir. Là, j'essaierai de monter en haut, apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Allez, pourquoi c'est pas ce genre d'endroit. Bon, on va pas se faire revenir en arrière. On essaiera de se souvenir si jamais on se fait griller, on essaiera de passer par là, pourquoi pas, ça pourra brouiller les pistes. Ce qui me paraît étrange, c'est qu'il n'y ait personne, pas un garde à l'horizon. Alors c'est censé être leur coin de stockage quoi, leur bunker de fortune, qui en fait sont bah, c'est des ruines antiques. C'est moi qui fais tomber ça. J'entends parler, je crois. J'ai l'impression d'être revenu sur mes pas. Ça n'est pas fini, hein. Je fais que de me perdre alors. Ouais, je crois que. Et là, on est où là? Ça donne où ça? C'est encore d'autres accès que je. Ouais, si. Ça me rappelle quelque chose, ça y est. C'est vrai que c'est vraiment un labyrinthe. Ouais. C'est bon. C'est vrai que c'était ce que j'avais le plus comme souvenir de cet endroit. C'était. Le mot que j'avais associé à cet endroit était labyrinthe. Je me suis pas trompé. Donc on va s'enfoncer. En bas il y aura une source d'eau, je me rappelle. Je me souviens bien, je veux dire. Voilà. Elle est là. On voit une petite rivière souterraine. Désertique, personne. C'est vachement suspect quand même. Il y a de la brume, est-ce qu'il y a les ghosts? En tout cas, c'est joli, c'est quand même bien fait.
Alors. On va aller là, on va continuer. Le loup est garé, un truc comme ça. Alors, c'est quoi ça? Problème de soit de spawn d'objets, mais ce matériel à mon avis c'est ouais. On a du mal à voir parce que là ça va, ils ont bien placé. Il y a une anomalie dans le coin là. Il faut jeter des clous en fer histoire de voir où aller. On est revenu sur nos pas. Tout se ressemble dans cette fichue grotte. Même là j'ai l'impression que c'est la même chose. Ouais, voilà, c'est les deux qui se rejoignent. On est passé par elle de droite, on est arrivé par elle de gauche, donc là ça sert à rien. Ici on y était, je crois, ou alors je vais y aller. On y retourne, on sait jamais. C'est là qu'il y avait les bugs des bouteilles, ouais. Vu comme ça, on voit pas. Mais là on voit. Quand ils ont placé, ils ont dû se mettre comme ça dans la caméra du moteur du jeu. Dans une perspective qui fait qu'ils n'ont pas trop mal juger le truc, quoi. Doser. On a un peu ras-le-bol, voyez-vous. Arrivé au point désigné. Je comprends plus rien, est-ce que je suis encore en train de me... Est-ce que je sors ou est-ce que je suis en train de m'enfoncer encore plus dans la grotte? Lumière du jour, mauvais signe déjà. Analysis complete. Aucune idée d'où se trouve le loup. On va regarder davantage. S'il y a plus de renseignements. Chien, ah ouais, c'est chien à la fourrière. C'est même pas un loup, c'est un chien. Nous serions même récupéré. Un membre des Diamond Dogs a été capturé. Il est en train de libérer un prisonnier. Récupérer tous les deux. Déjà, j'étais complètement à côté de la plaque. Moi, je crois que c'était vraiment une bête à ramener. Donc, c'est. De membres des Diamond Dogs. Il faut que j'en interroge un. On va se faire lui là. C'est un soldat assez bien qualifié en plus. On va voir. On va se le prendre si c'est un bon. On va le. Ouais, non. Des. Bon, il y a pire. Ce qu'il y a, c'est qu'il a un lance-roquette là, je sais pas quoi, mais bon, c'est juste un bourrin quoi. Y'a que ça à faire, il faut se tirer des informations.
Votre avis, est-ce qu'ils vont me voir? Ouais, ils vont me voir, je pense. Je vais attendre qu'ils finissent de papoter. Ils allent chacun de leur côté et on va essayer de prendre lui qui est à 12 mètres là. À part si. Ah, viens. Viens à nous, c'est encore mieux. Et viens à moi. L'autre là-bas, on est tranquille à 70 mètres, je pense pas qu'il puisse nous voir. Observons quand même attentivement. Commence à avoir comme un bleu. Fais pas ça tout à l'heure, mec. Reste comme ça. Et surtout, ne glisse pas. Après, ils vont venir se pointer là. Voir qu'il y avait qu'une brindille d'herbe, c'est ça qui les a troublés. J'espère. Faut j'attendre qu'ils nous fassent de haut ou un truc comme ça. Ah oui, c'est rien, les gars. Vous allez revenir à votre poste. Ah, pendant qu'ils ont le dos tourné, remarque. Non, là, et deux qui m'ont vu. Mais ils m'ont vu d'où, eux? Il y a le truc des WC là. Le mieux, ce serait lui de là-bas, là, par où je suis rentré, là. J'aurais su, je serais ressorti par là où je suis rentré. Lui, c'est un peu risqué, il est dans un endroit où il y a trop de croisements de regards. Eux, là-bas, ils sont, c'est plus tranquille, sur les bords. Donc si vous avez fait la même mission, moi, je vous conseille, ouais, de directement passer par la gauche, quoi, en fait, hein, quand, enfin, par votre gauche quand vous serez à l'entrée. Je me suis un petit peu compliqué la tâche, mais bon, moi je le serai pour la prochaine fois, sachant qu'on fait au moins 2-3 missions, même plus, par zone. Bon, tant pis, j'avais déjà fait une fois, mais j'étais passé d'ailleurs par la gauche, il me semble. Mais bon, j'avais oublié, un peu oublié aussi. Il y a quand même pas mal d'environnement, donc... On se souvient pas toujours de tout la lettre, c'est pas par ici déjà. Il n'y a rien dedans, ça aurait été rapide. Ça aurait été rapide, ouais, j'aurais pu. C'est par là. Lui faire cracher le morceau. Ouais, ça va être lui, hein, notre cible. Un peu exposé aussi, mais. À vrai dire, on n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'on sache où sont les prisonniers, sinon c'est un labyrinthe. Et en plus, bon, ça fait déjà un bon moment qu'on y est. Quoi. Ça commence un peu. Je commence un peu à en avoir marre. Même si, bon. Pas pour autant que je me lasse du jeu. Plus, j'aimerais bien en finir. Une bonne fois pour toutes. Lui là-bas, c'était un bon candidat à l'interrogatoire, je me souviens. Il se donne, il donne son dos tranquille en train de fumer sa clope. Bon là on va pas y aller maintenant, on va attendre qu'il se bouge un peu. Bon, je me souviens plus qu'il allait aussi loin. On va se remettre là. Et après on va le suivre et on va l'interroger. S'il vient pas dans nos bras tout seul. Je pourrais le prendre ici, mais je le sens pas trop.
plus c'est un machin esprit. Un petit conteneur spécialement mis pour lui. Ouais, celui-là il nous est donné, je pense que c'est pas pour rien. On va attendre qu'il repointe sa fraise. Viens fumer ta clope. Est-ce qu'il va me voir d'ici? Ah, c'est bon. J'ai hésité en train de le prendre par la gauche. Ou par la droite, merde. J'ai pas... Lui, je l'ai un peu oublié. Va-t-il revenir là? Putain, je voulais pas faire ça. Voilà, réveiller tranquille. L'autre il m'a pas entendu, j'ai vraiment de la chance. On va le déposer ici, on va le réveiller. Dès que son pote va partir, par contre, je peux prendre des risques qu'il m'entende de taper quelque part si je me foire et qu'il tape dans la caisse et me taper sur le mec. C'est bon. Bah allez. On sait où s'en trouve où il y en a un, mais savoir où est le deuxième, donc du coup on va laisser faire lui. Voilà, on a les deux. Mais non, il n'y en a qu'un. Il m'a donné la position lui-même. Toujours mieux que rien, mais... Là-bas, il n'y a personne qui rôde, donc on va le mettre derrière. Là, on a interrogé l'autre. Ok, c'est bien et bien dans la grotte. Ah non, c'est là. Franchement, je n'aurais pas deviné. Il y en a sûrement un deuxième là-bas, tout simplement. Il y
Et dire qu'on est passé à côté tout à l'heure, je me suis même caché contre ça. On va éliminer lui. On va essayer d'en mettre KO le plus possible. Qui se pointe, je crois. Non, c'est le vent qui se lève. Enfin, je sais pas, j'ai entendu un bruit sourd. Est-ce que je peux mettre les deux dans le buggy? Ça j'en sais rien du tout, mais j'aimerais bien, ouais, parce que comme ça je une paire de coups quoi. Mais ça va être super dur de faire ça sans qu'on personne ne voie. Hein. Là faut pas rêver. Où va-t-il lui? J'aime bien ceux qui se mettent un petit peu à l'écart comme ça, qui prennent un peu de risque, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux. Allez le saluer d'ailleurs, si possible. Ouais, c'est un petit peu risqué là. Il se casse un peu trop loin. Merde, y'a pas lui qui vient de se pointer là. J'ai déjà arrêté de me le faire lui là, il est en train de fumer sa clope à 6 mètres. Caution, sandstorm approaching. J'ai cru qu'il allait faire jeter, sauter en l'air là. Non, 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 on va s'en passer. Tempête de sable, merci. Toi, viens là. Après, on va te foutre dans les shots. Et on va aller prendre le prisonnier et le mettre dans la voiture. On va essayer de faire une paire de coups. Les deux dans la voiture, ça va être possible. On va voir ça tout de suite. Je pense que ça va être indiqué de toute façon. Hein. Une fois qu'on a remis le premier, on verra s'il reste à la place pour le second. Avant ça, on va s'occuper de lui. À la place. Le prisonnier, comme d'habitude.
toujours faire un échange. Bon, ah ben les deux sont là. Dégoûté. C'est vrai que je suis gourmand aussi. On va se barrer comme des fous là, on va accélérer, on va tous le renverser et voilà. Les heureux ce qu'ils méritent. J'aurais pu prendre les ballons, hein. J'ai pensé en plus qu'on avait la tempête. Je me suis dit au moins ça, je finis par la tête de vite fait bien fait. Je vais crever un peu. Éviter la route, donc là on est bon. Comme vous l'avez deviné aussi, enfin, elle avait un peu marre à la longue. On a réussi à libérer le jeu d'un coup, après avoir passé inaperçu avec un 4x4, un Jeep, une Jeep et deux, merde, deux prisonniers. C'est pas évident. Je pense.